Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, je continue l'aménagement de la chambre. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont raté les vidéos sur l'aménagement de la chambre, je vous mets les liens là-haut et dans la description, juste en dessous. Alors, pour cette fabrication tout simple, des tablettes en pain, ça sera de l'assemblage au lamello. Donc pareil, j'ai fait deux vidéos. Si vous avez raté sur l'explication des assemblages au lamello, je vous mettrai le lien là-haut et dans la description juste en dessous. Moi, ce projet, c'est des étagères de rangement. Donc, on va découper l'ensemble, tous les débits, et après, on fera les assemblages. Allez, c'est parti! Bien, bon, voilà, vous avez vu, ça y est, les débits, c'est terminé. J'ai passé un petit coup de papier à poncer en 120, en grade 120. Pourquoi? Parce que c'est plus facile là avant que je fasse mes usinages et que je colle tout ça. Donc là, il va falloir que je me repère. Alors là, c'est toujours le coup du scotch, hein. Je vais regarder, je vais me concentrer, etc., etc., pour voir les faces qui vont venir l'une par rapport à l'autre. Car là, vous avez vu, je vais utiliser la lamelleuse, je vais garder la surface, la semelle, comme surface de référence. Là, je me rends compte que je vais avoir des pièces l'une en face de l'autre. Ben, tout simplement, je vais décaler mes lamellos de 50 mm. Et là, ça passera l'un en face de l'autre. Allez, on continue.
Bien, bon ben ça y est, comme vous avez pu voir, ça y est, tous mes assemblages sont réalisés. Donc le décalage de 50 mm ici au milieu pour pas rencontrer le lamello de l'autre côté. Donc ça c'est usiné, ça c'est usiné. Alors à votre avis, combien de fois je me suis planté? Ben, en fait, une fois, je me suis trompé ici. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai inversé une côte et j'ai fait un assemblage ici, une trace de lamello. Bon, je vais le reboucher, voilà. Et c'est tout. Donc là maintenant, je vais passer au collage. Je vais le coller en deux parties. D'abord cette partie ici, puis après viendra l'autre partie. Parce qu'il y a énormément d'assemblage à faire, de collage, les serre-joints. Ouais, ça va être pas mal. Allez, on y retourne. Thank you.
Bien, bon, ça y est, comme vous avez pu voir tous les assemblages à la mélo, donc vous avez vu quelque chose de très simple quand même, hein, une fois qu'on a ses repères, tout ça, hein, j'ai fait différentes vidéos. Il y aura tous ces rangements ici, donc il pourra ranger ses cahiers, ses livres, etc. Une petite partie aménagement, ici plus tard, il y aura un écran d'ordinateur. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.